Philosophe et clairvoyant, Bob Marley a réussi à faire de la politique en chanson et à diffuser des messages de paix et de tolérance dans ses textes. De 1974 jusqu'à sa mort en 1981, le succès de Bob Marley n'a cessé de croître. Jamming, Buffalo Soldier, Could You Be Love, Redemption Song, nous avons tous entendu au moins un des plus grands succès de Bob Marley. Les Ivoiriens, au micro de cette info, s'en souviennent encore. Bob Marley, ce que je sais de lui, et puis il m'a pu. Bon, il pensait beaucoup à les pauvres, sur sa vie. Bon, comme moi, je ne comprends pas l'anglais, mais quand j'ai entendu que il y a un 11 mai 2006, c'est là que j'ai connu Bob Marley. Le 11 mai, je pense que c'est un jour mémorable pour tous les Rastas que nous sommes. C'est la célébration de la mort de notre leader, de notre idole, Robert Nesta Marley. Et donc moi, particulièrement, ce jour, j'écoute que la musique reggae. Bon, Bob Marley, c'est un artiste. C'est un artiste chanteur, il fait la musique reggae. En tout cas, sa musique était très bonne à écouter. Bob Marley, ce qu'il sait de Bob Marley, c'est un artiste, celui-là même qui a fait connaître le reggae par tous les Africains et même dans le monde. J'adore beaucoup Stereo, que j'écoute pratiquement tous les matins. Stereo et puis quoi encore? Bon, il y a tellement de chansons. No Woman No Cry, tout le monde connaît. One Love. One heart. C'est un artiste vraiment qui était beaucoup avec les jeunes, qui partageait beaucoup avec les jeunes. Bon, c'est ce qui m'a plu chez lui. Que la musique reggae, je commence par du Bob Marley, du Eric Donaldson et puis je finis par Alpha Blondie. Donc bon. J'estime que quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'aime pas la musique reggae, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit trop élevé.